ça y est, après 4 heures de retard et 9 heures de vol, je viens d'arriver en Martinique et de retrouver ma copine. C'est mon taxi de ce matin, transfert VIP privé. On vient de terminer la séance de surf et là on va aller rejoindre une copine à Camille pour aller faire un petit barbecue et grillade. On vient de se poser à une plage là, ça s'appelle le Cap Macré. C'est trop beau. L'eau elle est genre toute claire, toute chaude, bon un peu salée, mais la vue elle est magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé là? On va remonter la voiture. Je suis levée depuis je crois 6h du matin, là il va être 10h. Je voulais aussi vous expliquer pourquoi je suis en Martinique. En fait il y a plusieurs mois avant le Covid et tout, j'avais pris 2 semaines de vacances pour aller rejoindre ma sœur en Corée. Ma sœur est rentrée en France à cause du Covid, il y a une quarantaine. Du coup j'ai rejoint Camille qui est une copine d'enfance en Martinique. Trop contente parce qu'elle a vraiment grandi un peu dans cette région là. J'ai trop hâte de vous faire découvrir tout ça. Alors là, c'est une énorme bombe volcanique. En fait, juste en face, il y a le volcan Pelé et à un moment, il a explosé sur la ville qui était juste en bas. Et ça, c'est vraiment énorme. C'est un truc qui a été projeté. C'est énorme. Ce matin, en fait on est passé en bas vers Saint-Pierre et tout, et là on arrive à Anse-Couleuvre et on va aller voir des cascades. J'ai jamais vu de cascade de ma vie, du coup j'ai trop hâte, mais déjà là c'est trop mignon et je transpire déjà beaucoup, mais au moins on est à l'ombre. Je me suis tartinée de crème et ça va être cool. On va surfer, Justine. Comment s'est passé le transport jusque là? Impec. Oui, confortable. Quelques sauts, mais ça va. C'est parti. Vas-y. Je rappuie sur le bouton. Très tchatcheur les Martiniquais, très tchatcheur. C'est des loulous, il faut pas donner les numéros. Parce que Camille ici, elle appelle tout le monde loulou ou doudou. Doudou, c'est quand tu commences sur la route. Je suis morte. Bon, finalement, c'était un échec. On n'a pas pu surfer, il n'y avait pas assez de vagues. Du coup, on est resté en mode chill. Regardez la plage, elle est trop jolie. Là, on va avoir le coucher du soleil, on va rentrer. Et demain, ça va être journée bateau. J'ai trop hâte, j'ai fait du bateau juste une fois quand j'étais petite. Et là, on va vraiment avoir le bateau pour nous tout seul. Ça va être trop bien.
vient d'arriver à la marina de Fort-de-France et on va louer un petit grand bateau moyen et on va aller se balader, ça va être trop bien. En plus il fait hyper beau aujourd'hui. C'est là qu'il y a la plus belle la plage la plus belle de Martinique. Bon, ça y est, retour au bercail. On a vu deux tortues, c'était trop trop génial. C'est mon rêve de voir des tortues, je suis trop sentiment, je faisais qu'au soleil. Ce matin, on fait l'ascension de la montagne Pelée. Je vous dis pas la vue qu'on va avoir, c'est ouf. En plus, là, déjà, ce qui est trop bien, c'est qu'il fait 26 degrés. Mon dieu, ça fait trop du bien d'avoir un peu de fraîcheur. Voilà, on va monter un peu vers là. On va là-haut. Tu crois qu'on a fait la moitié là? Oui, moitié. Un peu moins de la moitié. Et c'est que des escaliers. Faut que je traverse les Alpes, c'est ça? Ouais. Mais il y en a plein là! Oh mon dieu! En gros, là, c'est la plage la plus connue de Martinique. En fait, il y a plein d'arbres allongés et il y a plein de gens qui viennent ici pour le voir. Et la plage, je veux dire, elle est juste ouf! Allez hop! Dernière plage! Ah, il y a des cailloux! Wesh, tu m'as pas dit qu'il y avait des cailloux. Ah, oh, c'est décalé. Oh. Bonsoir. Je crois que je vais pas vous laisser passer. 36-2. Bon voyage. Ouais. Bon, je suis dans l'avion du retour. Je suis trop contente. J'ai réussi à avoir une rangée rien que pour moi, les gars. J'arrive demain à 8h et après, j'ai mon vol pour Bordeaux. Ça y est, je suis arrivée à Bordeaux avec ma petite sœur qui vient me chercher à l'aéroport.